Wesh, wesh, wesh. Ouais, je ferais ça un stop, t'as pas besoin de... Waouh, c'est pas une priorité là, si tu me barres à win. J'ai une envie de folle de dépasser là, mais carrément trop là. Ah ça va, elle s'est rendue compte qu'elle avançait pas là. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce genre de petite Mercedes comme ça. Je trouve ça trop stylé. Je sais pas pourquoi, genre je trouve il y a grave un flow de bâtard là-dedans. Dis-moi que tu as... Ouais. Des fois il y en a des couples là comme ça. Le... Ouais ouais frère là, en HP hein. Bon, allez ouais, libère-moi. Waouh, elle était fatigante celle-là, elle nous a fatigué le cerveau. T'aurais pu y aller mon frère, j'y vais. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Non mais en fait je suis trop con hein. Salut les mecs, c'est Léo. Salut les mecs, c'est Francis. Non mais... Oh, toujours, bande de chacals. J'espère que tout le monde va bien les mecs. Aujourd'hui, nouvelle vidéo mon pote. Oh là là, hier vous m'avez régalé. Ça le ref, l'autre il voit que j'ai une caméra, il me jette. On va faire la course avec. Les mecs, vous m'avez tout cassé sur la dernière vidéo. En même pas un jour, 30 000 vues. Voilà les pouces bleus, déjà vous avez dépassé les 3000. Ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous en sors une. Tu vois, il y a eu un petit jour de décalage. Juste que j'ai eu une petite embrouille à régler. Eh, t'as vu, le chien ressemble à la dame. Oh là là, j'ai une envie de rouler fougamment aujourd'hui. Les mecs, on est bientôt 16 000 sur mon Instagram. Il manque même pas 80 personnes, on est 16 000. Ah, je vois que ça vous plaît les concours, hein. Et 50 Factory, ils sont chauds pour continuer encore longtemps. Du coup, les mecs, tous ceux qui veulent gagner de la pièce de 50, que ce soit des équipements moto ou juste de la pièce pure, venez sur mon Instagram et puis je vous fais gagner ça. Il y a un concours tous les 15-20 jours. Du coup, on est bientôt 20 000, ça me fait plaisir. Merci à tous. Et n'hésitez pas à aller checker le site de 50 Factory, sera en description les refs. Bientôt le code promo. On espère, hein, on espère, ça vous ferait kiffer. Bref, désolé de faire de la pub comme ça les mecs, mais je sais qu'il y en a qui sont pas au courant, tu vois ce que je veux dire, même si je le dis à toutes les vidéos quand même. Et bien sûr, ça change pas frérot, abonne-toi à la chaîne, on est bientôt 100 000. Voilà frère, il en manque quoi, il manque 4000 personnes mon ref, 4000 personnes. Oh, oh, tu te réveilles un peu là, 4000 personnes et on est 100 000, le trophée bordel. Et pour finir sur cette session de forcing, tu mets 3000 pouces bleus, il y a une nouvelle vidéo qui ressort, tu vois ce que je veux dire, ça charbonne frérot. Non, ça charbonne. Ça me fume les gens qui conduisent vraiment, là je viens de voir la dame qui conduisent comme ça, les deux mains là comme ça, et puis ils ont rapproché, ils sont collés au volant. Ah oh ouais, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une conduite fugueuse. Qu'est-ce qu'on est parti faire aujourd'hui, vous le savez pas? Eh ben moi non plus. On se fait un petit moto vlog, un petit daily. Ça se trouve il va se passer un truc de taré dans cette vidéo et du coup ça sera justement le sujet de celle-ci. Ça tu le raménages frérot, tu te fais un combi van. Bon peut-être pas avec ça, tu vois, je préfère les bails de le bouseux, tu vois. Et là tu pars, c'est la backlife mon pote, tu mets un gros 4,50 à l'arrière. Oh là là. Putain, j'ai envie de chier. Ah. Eh, ici frérot, pour rouler, il faut savoir quand il fait beau et quand il y a la tempête. Et je vous jure, hein, il y a 2 heures, c'était la tempête, il pleuvait et tout, hein. Et là, putain, j'ai failli mourir quand même. Et là, tout va bien, grand soleil. Hop, fais pas peur aux chiens. Oh, le ref. Ah ouais. Ah, je sais pas ce que j'ai passé, là. J'ai beaucoup appuyé, là. Non mais ceux qui savent comment régler ce problème sur la derby, aidez-moi les frères, j'en ai marre, ça me gave. C'est horrible. Là quand ça fait ça, t'as frère t'embraye, tu veux rétrograder mais ça engraye. Ça engraye pas. Waouh, ça embraye pas, tu vois ce que je veux dire. Attends, c'est quoi comme caisse ça là? C'est stylé hein. Attends, c'est quoi c'est. J'allais dire c'est une Supra, c'est quoi ça mon. Eh, ceux qui savent dans les commentaires, c'est quoi ça comme caisse? Stylé en vrai hein. C'est pas une caisse Tokyo pour faire les drifts là, t'arrives là. Je vais juste faire gaffe, il y a la gendarmerie au bout de la rue. Là les mecs, il y a une baraque, franchement c'est le kiff. Genre c'est cette maison là je crois à gauche. C'est un étang qui entoure la maison. Vraiment, oh la petite gendarmerie. C'est ceux là qui m'arrêtent tout le temps je pense. Je pense qu'il y a fort moyen que ça soit cette police là qui m'arrête tout le temps. Que ça soit en 4. Oh c'est mou, il a patiné au démarrage. Oh mon ref, tu crois t'as quoi t'as. Le stop il a été fait là ou pas là. Regardez pourquoi ici. Ici le sol il est trempé. Vous voyez ou pas ce que je vais vous dire. Tout à l'heure je roulais tranquille frérot. Bon, vous m'excuserez vite fait, je dois aller poster un petit truc. J'aime bien la config en vrai. Bon, je vous retrouve et si je suis mort, bah cette vidéo elle sortira jamais. Si elle sort, c'est que je suis vivant ou que quelqu'un l'a sorti pour moi. Bonjour.
Il a un post inconnu. D'abord ? Bonjour madame. Il a posté un colis. Tout est bon ? Je vous remercie, bon courage. Bon les mecs, je suis pas mort du tapin, mais regardez, il y a un lion en liberté. Mon ref, il fait flipper le couze. Imagine, il réagit mal, je démarre la moto, il me graille. Oh, comment c'est stylé, bâtard. Oh, attends, à l'ancienne, je faisais des explorations, frère. Qu'est-ce que j'aurais kiffé, ça a l'air d'être une usine désaffectée un peu. Oh, mais tout ce qui a l'air d'être abandonné ici. Oh, ça a l'air d'être insane, par contre. Oh, putain, je kiffe. Ça, je kiffe moins, ça. Oh, Organe, frérot, qu'est-ce que tu veux de plus? T'es bien là? Et là, c'est la police. Ouais, mon ref, vous faites quoi là sur votre motocyclette comme ça? Là, on est bien, mon ref. Il fait beau, il y a de la prairie, il y a de la nature. Oh, ah ouais. Mais attends, mais c'est la patinoire. Bon, en même temps, j'ai plus de semelles à mes chaussures. Wow, comment faut faire gaffe en vrai? En même temps, le pneu, c'est un petit peu un pneu slick. Hein. Mais je vous jure, ici, la pluie est pas chez moi. Oh là, les mecs, j'ai envie de faire une pointe, mais je sens, je vais glisser. Dans le virage, je vais mourir. Gros, là, il y a un golf. Et je vous jure, c'est trop stylé. Vous savez, le golf, c'est le truc, t'as la balle rebondissante et t'as la raquette et tu frappes. Bah, et là, le sol, il est plus mouillé. Vas-y, je comprends rien. Attends, mais où? Mais. Enfin, j'ai réussi à me perdre là, ou c'est quoi ce bordel? Regardez, on n'est pas bien là, beau petit soleil, des arbres, un golf, un étang. Oh là là. Ouais, regarde la derby, ça watt, ça watt. Vous avez vu comment ils ont regardé? J'ai pas vraiment envie d'aller sur l'autoroute, mais vas-y, hein, Nick, on va essayer. Hein. Si je finis sur l'autoroute, la vidéo elle fera plus de vues. Allez, en 50 sur l'autoroute. Encore, je vous jure, j'aurai un kit, je l'aurais fait sans problème. Mais là, en origine. Oh my god, regardez, il y a le golf. Comment c'est trop stylé. Je vous jure, je vais faire une vidéo au golf. Ça vous dit, les mecs? Petit motovlog au golf. Wesh, le camion il envoie de l'eau. Les voitures elles m'envoient de l'eau dessus. Ah ouais, je suis une vraie salope là. Attends, mais je roule, je reçois toute l'eau. Oh, c'est horrible. Wesh, putain. Petite canette là qui passe, je croyais que c'était genre un hérisson. En vrai, t'as un gros cube. Tu peux faire un kit comme t'as là, le permis pour les gros cubes? Moi en vrai je pense que oui. Bon après j'ai envie de te dire, t'as le permis moto, je pense pas que tu t'embêtes à faire des prépas sur des mini trucs. Bah non, en vrai je pense que tu te fais quand même avoir. Hein. Ah ça je sais pas. Les mecs, ceux qui savent répondre à ça. Je suis un vélo en fait, je suis un grand vélo. Par contre là s'il y en a un qui sort de la forêt, oh là là, je vais l'écraser mon pote. Carré, on prévoit une réinsertion sur le circuit. Y'a un ref en 50. Il a pas de problème le couze. Il lève, il fait des wheelings. Vas-y, tu sais quoi, on va le rattraper. Ah là c'est la patinoire, je vous jure c'est la. Ouh, ça glisse. Oh, ça glisse de l'arrière. L'arrière, je sens, il fait comme ça. Comment, j'ai aucune adhérence. On est bien au régulateur à 93. Ah ouais, non, par contre, ici la roue. Il y a que des petites bosses. Ah, voilà, c'est ça. Plein de petites bosses comme ça. C'est-à-dire, t'arrives, tu bombardes. Bah, 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 bah. Je sais pas comment ils ont fait la route ici. On check, on check, on check, on check. J'ai peur de me défoncer le pied. Oh, bande de chacos. Oh, vous avez regardé. Oh, vous avez tous regardé. Oh, vous êtes des chacals. Jackie, il est posé sur la Citroën. Tu traverses ou pas mon ref? Tu fais quoi? Tu voulais peut-être traverser, je sais pas, j'allais te laisser passer avec ton sac, ton imitation Louis Vuitton frérot. Ok. Oh ouais, avec son hop, petite lunette, petite blonde, oh là là, sa crâne, avec du Marwa Loud dans la caisse. Est-ce que vous avez déjà vu sur TikTok? C'est des vidéos, il y a des méga trous, des gros nid de poule, et il y a un mec qui vient là avec sa caméra, et il filme toutes les voitures qui se prennent le nid de poule. Et il y en a un frère, il sac, et bam, leur pare-choc déposé par terre. Vous avez déjà vu ça les mecs? C'est hilarant. Regardez si c'est pas beau là, bordel, petite belote de paille là, oh là là. Bouteille de Belvedere dans ta tête. Si je vais vous... On m'agnette. Allez go le dos d'Anna 87. Vous êtes des fous quoi là?
là carrément je prends l'embrayage, je le lâche. Bavette, cache. Sans discussion. Rac papa. Skididi baba. Eh mon avant, vous le trouvez pas un peu éloigné du compteur? Les pro derby là, vous trouvez pas qu'il y a un grand écart là quand même? Bizarre un peu. Allez, c'est Chipar, y'a son père. Ok, est-ce qu'on se ferait pas un petit départ GP? Bah moi le départ GP carrément. Trop petite BM. Oh, je viens de penser à une nouvelle intro les mecs. Telle des documentaires sur automoto. Ami motard, bonjour. Je suis sûr il y en a un sur YouTube qui fait des motovlogs, il dit ça. Et là dans les commentaires: ah mais t'es en 50 donc t'es pas un motard, ananiani. Oh tu ta gueule frère. Alors pour vous dans les commentaires, vous allez me faire 30 lignes. Pour vous, qu'est-ce qu'un motard? Vous avez 2 heures. Vraiment, les giratoires, c'est quelque chose, hein. Déjà, quand je suis arrivé à l'auto-école, il m'a dit giratoire, le coup, j'ai fait, ah bon? Ah, moi, j'appelais ça rond-point. Bah, en vrai, c'est ça, c'est un rond-point. Il y a des routes comme ça, t'es obligé d'accélérer, frérot, t'es tout seul. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, ouais. Et en vrai, quand t'es en ligne droite, que t'es en moto, tu réfléchis à ta vie. Je te jure, tu réfléchis à rien d'autre que ta petite vie. Bon, on va essayer de pas mourir. Max, enfin, c'est la vitesse à laquelle ils roulent ou ils peuvent rouler, je sais pas quoi. Mais c'est sur l'autoroute à 130, mon ref. Tes voies de droite, enfin, t'es la voie des camions. Ils sont max 90. Je sais, parce que je sais, il y a des camionneurs sur mes vidéos. Ou, enfin, des mecs qui font du transport et ils vont pouvoir répondre à la question. MX5 ça. Limite je m'arrête, je lui demande qu'il me fasse un tour. Oh regardez la caisse de taré là. Comment elle est trop belle. Je pense que c'est une MX5 ça. Mais les dernières G. Regardez comment elle est belle. Je te jure, un truc à mes pneus, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment dégonflés. Soit ils sont trop tendres, genre ils sont vraiment super tendres à la mort. Soit il y a un truc. Là, tu crois que c'est un vélo. Attends. Déjà, c'est lisse comme... C'est lisse comme la mort. Comment tu vérifies si ton pneu y est... Attends. On va faire ça. Regardez. Bon là j'appuie dessus tu vois, c'est normal, mais je trouve qu'il est vraiment limite dégonflé. Ah ouais, claquette là, y a un vrai flow là. Marche bien. Vous en souvenez de cette vidéo? Il y a que les vrais qui vont se souvenir de qu'est-ce qui s'est passé ici. Mettez-le dans les commentaires pour ceux qui se souviennent ce qu'il y a eu ici. Bah sinon on roulera sur la jante frérot. La ch'tite family. Oh. Voilà, en route barrée, déviation, moi je vais où dans cette histoire? Bientôt les mecs, on va aller à Cannes, c'est prévu le road trip pour Cannes en 50. Y'a aucun souci, on vous fait ça alors. Logique. Attends, comment ça s'appelle un cul-de-sac? Genre, je pense pas que c'est le nom que tu donnes au permis. Genre c'est quoi ce panneau? C'est le panneau cul-de-sac. Mais en vrai je vois pas ce que ça peut être, hein. Sens unique? Non bah non, c'est pas sens unique, je suis trop con. Mais du coup tu l'écris comment? Cul comme un gros fiac? Et tu mets que sac à côté? Really nigga? Mémoire, j'avais une ex qui habitait ici. Non, non, j'ai pas dit ça, moi, vous êtes con quoi. Hein? Bah, elle est où la route? Genre, c'est ça la route, et là je récupère la route comme ça. Ouais, bizarre un peu leur système. Oh frère, oh ça a été cassé ça. C'est moi, il a collé le truc M dessus, frère. Wouah, l'ancienne ici, je venais squatter là quand j'allais au collège, avant d'avoir le collège. Oh ça c'était... Y'a belle lurette frérot, hein. J'ai pas le droit de tourner à droite. Ouf. Vas-y Nick, hein, je vais m'insérer là-bas, hein. Papa la papa papa. Oh les pavés c'est horrible. Bon aujourd'hui y'a pas trop d'action, ouais c'est la petite journée tranquille, il se passe rien. C'est moi où quand on est heureux et qu'on est en moto, on devient forcément fou. Oh attends, c'est la première fois que je le prends aussi bien ce rond-point. Oh là là, tout dans le regard les mecs. Au lieu de regarder des gros fiacs là.
Hop là, t'es tout sur le devant, là tu prends ton virage comme ça, là tu négocies comme ça. Salut mon ref. La dernière fois que j'ai fait ça avec un arbre, ça s'est mal passé. Putain, là je suis devant, les gens qui vont me voir, ils vont se dire c'est qui de ce guignol. Regardez. Ah oui. J'étais choqué, je crois que c'est la première fois que je vois une priorité à droite. Enfin, plutôt qu'on me la laisse, qu'on me l'offre. Allez, je peux pas libérer les chevaux là. Wow, elle a des belles jantes, elle. Oh, j'adore quand ça met bien ses clignotants quand il faut, mon ref. Ah, il kiffait aussi, lui, avec sa petite bécane, là.